Adesso è La volta di Ultra Vocal, la firma di Christophe Carbace, interpretato da Angelo Aibang, Steven Sfei e Claudia Fortunato. Si tratta anche in questo caso di una prima italiana, alla presenza del regista Christophe e della protagonista femminile Claudia Fortunato. Avremo modo di... La nostra Ornella Vaiani farà la traduzione simultanea dalla francese. Merci d'être venu à la projection. C'est un film récent, production française, mais tourné en Belgique, un film très indépendant. Grazie a tutti di essere qui, quindi un film produzione francese, però girato in Belgio, è una produzione indipendente. Dans mon imaginaire de l'inspiration, c'est un mélange entre ce qu'on appelle le western moderne et le road movie. Et nel mio immaginario, quindi un misto tra western moderno e un film on the road. Questo film sì, è veramente un film in linea con il pensiero di Turiano. Sì, lo dici tu, non so dire, francese, forse. Sì, è la linea della politica di Turiano. J'ai bien fait de présenter. Grazie. Voilà, je pense c'est préférable de parler après, donc je vous laisse découvrir le film. Bon visionnage, et je serai là si vous avez des questionnements. Peut-être j'aurai pas forcément de réponse à tout, mais... L'importance, c'est pas forcément de tout comprendre, mais de sentir. Alors, vediamo prima il film e parliamo dopo, ma è sempre meglio così. E poi, forse non avrà le risposte a tutto, però l'importante non è sempre capire, però anche sentire. Quindi. Istitoris è uno dei personaggi dell'Inquisizione, infatti è andato a cercare nel tema medievale dell'Inquisizione per riportarlo in un periodo comunque contemporaneo, però ovviamente è una metafora e anche un illustrare questo periodo. Allora, j'ai écrit un scénario léger, je savais que j'allais faire un long métrage, mais j'ai écrit un scénario léger de 13 pages. La sceneggiatura volutamente leggera, di 13 pagine. Et c'est un film en train de se faire, donc j'ai eu l'idée au fur et à mesure que le temps passait, les idées se développaient avec le travail des acteurs, entre improvisation et préparation. Il film si stava facendo, quindi si è sviluppato mano a mano, anche con l'improvvisazione degli attori, su un lavoro di collaborazione. No, il y a eu un repérage. Au départ, je voulais tourner au nord de la France. Mon producteur est belge, il m'a proposé d'aller un peu plus haut, vers la Belgique, parce que dans mon scénario, il y avait ce genre de lieu, de terrain vague, d'espace désertique, aride, vide, et voilà. Alors, c'était préparé. Ci sono stati dei sopralluoghi, quindi era preparato. Il produttore gli ha proposto dei posti nell'Alto Belgio e quindi sono andati lì per fare questi sopralluoghi, e comunque voleva questo tipo di paesaggi. Ovviamente nella sceneggiatura erano presenti questi posti un po' aridi, sterili, quindi è stato voluto. Et concernant le travail de l'improvisation, c'était, même si les lieux étaient préparés, il y avait des scènes, des actions qui étaient nées soit par imprévu, soit par accident au dernier moment. Per tornare sulle improvvisazioni, i luoghi sì, erano stati scelti, preparati, però le azioni no, alcune appunto provate, preparate lì sul momento, all'ultimo momento. Je donne un exemple. Ad esempio? La scène du bar où le vieux rencontre le personnage de Celia, c'était préparé d'une autre façon, découpé d'une autre façon. Et il y a eu un empêchement de tournage à l'intérieur du bar. J'ai décidé donc de mettre la caméra
à l'extérieur. Et deux, j'ai pas pu donc prendre le son direct. Donc j'ai désynchronisé au montage. Donc c'était pas venu par choix esthétique, cette désynchronisation, ce décalage spatio-temporel, mais c'est venu suite à un accident. Allora, la scena in cui il personaggio del militare Inquisitoris incontra Celia nel bar la prima volta, il modo di girare la scena non è stato voluto, pensato così all'inizio, però c'è stato un impedimento proprio di girare, di prendere la presa diretta dentro il bar e quindi l'ha girato dall'esterno. Però appunto questa è stata una cosa improvvisata dovuto all'impedimento di girare dentro. Parce que l'idée, c'est pas juste de filmer, le scénario est simple, c'est juste une fuite de ce militaire et l'autre qui le cherche. Mais l'idée, moi quand je filme, d'une manière générale, pas juste fuite, c'est pas juste le scénario qui m'intéresse ou l'idée narrative, mais ce qu'il y a au-delà, avec les espaces-temps, les corps, les personnages, la lumière, tout ce qui se passe autour et le matériau même du cinéma. E la sceneggiatura è quasi un pretesto perché quello che interessa è anche tutto quello che si svolge all'esterno e attorno, tutte le azioni, tutto il resto. Quindi la sceneggiatura sì, però non solo, perché alla fine sì, c'è questa trama di base, questo militare che fugge e il vecchio personaggio che appunto lo cerca, però appunto sono importanti anche le azioni, tutto quello che succede, poi tutto quello che voi vi sentite. Dans la séquence où tu as parlé, Christophe, dans le bar, je crois que j'ai fumé 55 cigarettes, j'ai fait un malaise vagal. Il y a le lecteur qui joue un Inquisitoris qui m'a donné dans la voiture en rentrant une demi-banane parce que je perdais mes forces. Donc ça a été un tournage très très éprouvant physiquement. Je dormais dans la chambre de mon personnage. On avait une très très longue journée et on a fait 3 mois de répétition qui ont été aussi très compliquées parce que on avait du mal avec les deux acteurs à s'accorder sur l'énergie de Christophe qui parfois était vraiment dans le ressenti et pas dans les explications. Sì, è stato un lavoro molto intenso e faticoso perché appunto la scena, l'aneddoto della scena che non si è potuta fare in presa diretta, questa scena ad esempio è stata molto intensa perché ha dovuto fumare più di una cinquantina di sigarette, ha rischiato il malore e l'altro coprotagonista ha dovuto avere una banana per riprendere un po' di forza. Quindi già questa è una scena in sé, un episodio in sé. E lei dormiva poi nella stanza del personaggio, penso per immedesimarsi ancora di più, e a volte era un po' difficile anche plasmarsi su quelle che erano le esigenze di Christophe, perché appunto che era molto nel sentire e non sempre, non tanto nelle spiegazioni. Et donc je crois qu'avec les deux autres acteurs, on avait beaucoup besoin d'expliquer, on est tous les trois très expressifs. Et Christophe a travaillé sur la distanciation et nous a justement demandé de ressentir de l'intérieur et de ne rien exprimer visuellement. Et ça a été pour nous trois, je crois, un peu tout d'abord incompréhensible dans notre, on va dire, sens commun d'acteurs qui avons besoin d'explications, de psychologie. Et Christophe casse la psychologie, il nous demande d'être dans la lettre et dans la matière totale, et du coup d'être dans le corps et plus dans l'esprit, et du coup c'est une dichotomie qui nous oblige à sortir de notre méthode classique. Appunto loro tre in quanto attori avevano bisogno invece di spiegazioni, di capire, però Christophe aveva chiesto anche di una distanza, di essere distanziati dal personaggio, quindi si è creata poi questa dicotomia, questo paradosso appunto tra l'essere e l'animo, tra risentire e l'interpretare. E on est très surpris du résultat parce qu'on donne, enfin il y a une forme de tension qui s'installe pendant 3 mois de répétition, et là sur le tournage ce qui s'est passé en l'occurrence c'est un lâcher prise et un abandon et une fatigue totale des cernes. Et puis Christophe nous a encore plus abîmés, c'est-à-dire qu'il nous a mis de la boue sur le visage. Il aimait cet état complètement d'agonie et en fait on ne pouvait plus rien faire.
n'y a pas de maquilleuse sur le tournage, on ne pouvait pas contrôler notre image. Moi, je parle en tant qu'actrice. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Là, j'ai dû tout lâcher. Et finalement, on arrive à une forme d'au-delà du corps. Et puis lui, il travaille après cette matière qui est au-delà de nous, quoi. Sono stati molto sorpresi dal risultato, perché poi era diventata un po' una piccola agonia anche fisicamente, perché questi attori molto provati, le occhiaie, il fango sul viso, non c'era una truccatrice che poteva appunto dare i tocchi, quindi era anche una cosa abbastanza insolita, lo stesso per Claudia, per l'attrice. E era anche un uscire fuori dal proprio corpo, di andare oltre, quindi è stato anche un lavoro particolare per questo. E voilà, tra Christophe, c'est une parenthèse de 10 jours qui ensuite a beaucoup de répercussions dans notre vie personnelle. Quand je parle dans la mienne, en tant que non seulement femme et actrice, Christophe m'a prise dans une transition de ma vie entre l'enfance et l'âge adulte, et il a capté cette énergie où je suis entre l'innocence, la faiblesse et la maturité. Et voilà, c'est un état de transition qui pour moi du coup est très important. Et voilà, du coup d'avoir capté ça, c'est une part du mouvement de ma vie, c'est que j'accompagne ce film. C'est stata la prima esperienza come attrice? Sì! Alors, prima. La prima assoluta o avevi fatto anche un abbiamo fatto i cortometraggi, ma il primo è un cortometraggio. Quindi è stata la prima esperienza di lungometraggio per Claudia, e ovviamente lavorare con Christophe è stata una cosa molto, molto forte, che ha lasciato delle conseguenze poi dopo nel suo lavoro come donna, ma anche come attrice, e perché era anche forse colta in una fase di transizione tra l'età adulta, quello che c'era prima, quindi proprio questo momento dove ha potuto forse anche sfruttare l'energia che c'è in questa transizione. Per tradurre, gli domando come è arrivata sul progetto, come per un'attrice che comincia, si lancia in un progetto così per 3 mesi di ripetizione. J'avais une intuition que le travail de Christophe était un cinéma que j'avais envie de défendre. C'est-à-dire que Christophe parle beaucoup de cinéma de sensations, de ressentis, de cruauté, et en fait, au départ, pourquoi j'ai voulu faire ce métier, c'est pour ressentir des choses et pour être dans un chemin de sensation. Christophe, tu as fait ce film comme critique du système. Hai due esempi di sistema, il militare e la chiesa, l'inquisizione. Allora, è una cosa che fa vedere questo film a noi che siamo tutti un po' contro il sistema. Volevo chiedere se tu hai fatto vedere questo film a dei personaggi nel militare o nella chiesa, perché è proprio una caratteristica di sistemi di controllo che sottomettono le persone, che le persone che lavorano dentro questi sistemi non si rendono conto di essere parte di un sistema che sottomette le persone. Donc tu as mis une critique du système, en l'occurrence c'est l'inquisition et donc l'église, le militaire et l'inquisition et donc l'église. Est-ce que tu as pu voir ce film à des personnes qui appartiennent à ce système-là? Parce que souvent le gros problème aussi c'est que nous en tant que spectateurs ou au public des tours ou d'autres cinémas d'essai, on se rend compte du système et on peut recevoir la critique du système. Mais ces personnes qui sont dans le système, eux ne se rendent pas compte de ce que ça signifie. Alors, c'est un film très récent. C'est notre 4e festival. C'est tout récent. J'essaye d'accompagner au mieux. Pour l'instant, ça reste dans le circuit des festivals. Donc, c'est comme vous, ce sont des spectateurs avertis, un public, voilà, comme vous dites, en bonne connaissance de cause. J'attends la sortie en salle, donc la sortie publique, qui va être au printemps prochain. Là, il sera au grand public.
et on verra la réaction. Parce que c'est vraiment très récent, c'est notre troisième, quatrième festival en Inde, en Espagne, et voilà. Et après, je... Sì, quindi sì, il film è stato presentato solo nei festival per adesso, quattro festival, e quindi a primavera uscirà invece in sala, quindi lì si aspetta la reazione del pubblico ovviamente più vasto, forse anche meno preparato al sistema. Dove uscirà? In Francia, in Parigi e in sale anche sì. Fuori Parigi? Sì, mon distributore français, ça va sortir en France. Uscirà in Francia. E après, de manière plus globale sur Internet. Sur Internet. Juste une expérience. Non. Sur des plateformes spécialisées de cinéma, de VOD. Plateformes de cinéma spécialisées. Ceci dit, j'ai eu une expérience il y a un mois dans un festival en Espagne, à Almeria, et le public n'était pas que averti. Il y avait une centaine peut-être dans la salle. La moitié était avertie, bon, et l'autre moitié, c'était les gens du village. Et il y a un professeur qui a ramené toute sa classe d'université, donc il y avait énormément de gens, une cinquantaine de personnes entre 18 et 23 ans. Et eux, je pense, donc ils avaient moins de distance. Et vu l'action de la scène finale, notamment quand il le tue et il sodomise le cadavre, là, il y a eu un effet de scandale en salle, de cris, les gens riaient, mais avec un rire acide, amer. Les gens qui se levaient et qui gueulaient, qui gueulaient. Alors, une expérience aneddoto in Spagna, un mesetto fa, Almeria, il film è stato proiettato, e appunto non era un pubblico che si può qualificare di preparato, colto, appunto, avvertito a questo genere. C'era un centinaio di persone appunto magari preparate e invece altre no, e c'era un professore che aveva portato la sua classe, alunni dai 18 ai 23 anni, e appunto nella scena finale appunto dell'uccisione e della sodomizzazione del personaggio ci sono stati anche... Allora, c'è chi ha riso, ma comunque un riso molto amaro, un po' acido, anche un po' forse nervoso, e c'è chi anche si è esclamato, ha urlato, comunque reazione anche forte. Perché poi comunque Almeria credo che sia un festival del cinema western. Sì. E poi ci si aspettava il western tradizionale, sì. Ma John Ford. Siamo arrivati più in alto. Moi j'aurais voulu savoir ce que vous avez dit que tout à l'heure c'était sans production et sans aucun argent. Mais du coup je voyais au générique qu'il y avait un producteur et vous parlez d'un distributeur. Donc ça a été quoi les conditions et si ça a été complètement indépendant, pourquoi vous n'avez pas pu le faire rentrer dans un système? Alors, c'est pourquoi indépendant? Parce que c'est la suite logique pour l'instant à ma production personnelle, c'est-à-dire c'est ce que je fais comme cinéma. Parce que rentrer dans le système... Déjà, je suis quelqu'un de rebelle, donc j'aime pas trop. Et ça prend plus de temps. Alors que pour l'instant, c'est mon rythme. Peut-être un jour ça va changer, mais j'ai un rythme frénétique de réalisation de films. Je fais un film par an, un long métrage par an. Et quand c'était des courts-métrages, je faisais 4-5. Donc bon, je suis un peu limite de création pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas le savoir. E anche un seguito logico a come ha lavorato prima e ovviamente rientrare nel sistema richiede anche dei tempi, molto tempo e anche significa anche non essere più ribelle che invece più quello che si addisce a Christophe in questo momento. E donc c'est, pour moi c'est plus accessible, plus rapide, parce que si on veut rentrer un système, le financement ça prend du temps, c'est en 2-3 ans. Et je ne suis pas sûr qu'on va me l'accorder vu la charge de la thématique. Il finanziamento è lungo, puoi chiedere anche 3 anni e poi non sei mai sicuri di essere accettati, quindi invece così molto più veloce. Mais le distributeur, je le connais depuis plusieurs années et on a fait 7 sorties salles avec lui. Donc c'est une continuité parce que c'est un compagnon de route du coup.
il sort mes films en salle. Donc ça remonte à 2011. Je sors mes films en salle, même s'ils sont hors système. J'ai trouvé un moyen, tout en restant indépendant dans la production, de préserver ma liberté de créateur et en même temps sortir des films radicaux en salle. Quindi per la distribuzione sì, una specie di entrare nel sistema, anche se appunto conosceva questa distributore, questa persona da, dal 2011, sono usciti 7 film in sala, quindi è anche un rapporto insomma lungo di collaborazione, quindi c'è una continuità. Due parole sui due protagonisti maschili che sono anche secondo me formidabili, anche loro a partire dalla scelta, dal casting, questi volti veramente che raccontano già senza bisogno di parole. Dove li hai trovati? Sono attori che hanno, insomma, hanno già lavorato al cinema o sono dei volti nuovi? Concernant le vieux, j'ai fait un casting, les gens se présentaient, et concernant ce rôle-là, j'étais pas content, j'étais insatisfait. Et le dernier jour de la deuxième semaine, c'était le dernier jour du casting, j'étais fatigué. Ce monsieur rentre, il s'assoit, il y a quelque chose dans les regards qui se passe et il me parle. J'ai entendu sa voix, j'ai dit salut. Et invece per il personaggio del vecchio non trovava l'attore al termine di 2 settimane di provini, l'ultimo giorno. Al termine appunto dei quali non era contento perché non aveva trovato nessuno, si presenta questo attore, si siede e c'è stato uno scambio di sguardi e poi inizia a parlare di ha capito, è lui. Il ha una figura che ressemble beaucoup au cinéaste Louis Benoît. Ha un viso che assomiglia molto al cineasta Louis Benoît. Non, Christophe m'a demandé de m'ancrer en fait, de parler grave, d'être dans un. Plus lent. Dans quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus étiré. Et du coup, voilà, c'est cette forme de maturité-là que j'avais essayé de masquer de ma vraie nature en étant assez dispersée, assez volubile. Et Christophe m'a cassé toute volubilité. Et en plus, m'a handicapée. Parce que je boite à la fin. La testa del maiale all'inizio del lago. La tête de cochon au début dans le lac. Et c'est vrai ou est vrai? C'est vrai ou faux? C'est une signification. C'est une vraie tête. Ok. Alors, quand on fait un film, enfin, en tout cas moi, ça m'intéresse énormément cette question, comment commencer un film. Quindi la testa è vera, una delle domande che gli preme di più è sempre come iniziare un film. E même s'il y a un scénario, mais je ne le respecte pas forcément, donc dans le scénario, le commencement c'était la scène du bar, mais il fallait que je fasse quelque chose avant qui soit dans le film, mais en même temps en dehors, à la fois hors champ et dans le champ. Anche se appunto c'è una sceneggiatura, ma non è stata rispettata sin dall'inizio perché appunto l'inizio doveva essere la scena del bar, invece poi ritroviamo la testa di Donc l'idée vient de ma tête, je ne sais pas plus que ça comme pourquoi elle est là. Et je voulais faire un plan, donc c'est un plan séquence qui dit tout le film de manière poétique. Et j'ai eu cette idée. Voleva un piano sequenza appunto che svegli il film in un'immagine e ha avuto quest'idea. La scelta dei tempi, quindi questi lunghi piani sequenza, questo uso della macchina fissa per volte minuti interminabili di inquadratura senza stacchi.
È un tuo stile anche, che ritroviamo anche in altri due lavori, oppure è stata una scelta in particolare, specifica, espressiva per questo film qui? Per dare un senso di inesorabilità di questo inseguimento o per quale altra ragione? Per il choix des temps, justement les plans séquences, la caméra qui reste fissée par rapport au moment du choix. Est-ce que justement c'était déjà un langage précédent ou alors c'est pour ce film pour se concentrer sur l'aspect inexorable de la suite? Alors les deux à la fois. Quand je, au début, quand j'ai fait, quand je commençais le cinéma, mes premiers films étaient très montés. C'était le montage qui m'intéressait physiquement. Donc c'était des films en plus tournés en pellicule, avec la caméra traditionnelle. Donc c'était des images très rapides et montées de manière très fragmentaire. Alors, les premiers films, appunto, tout era stato imperniato sul montaggio, era molto importante. Erano stati girati poi con la pellicola, quindi il montaggio era veramente dominante. Et après, quand j'ai commencé par la vidéo, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'intéresse que je n'ai pas exploré avant, en tant que, aussi, parce que quand on est cinéaste, on expérimente aussi, c'est pas juste pour raconter l'histoire. Donc du coup, la matière temps m'intéressait, la durée, par la vidéo. Poi col lavoro sui video, l'elemento tempo li interessava, quindi lì ha modificato un po', si è messo anche a lavorare proprio sui tempi, sui piani sequenza. E donc j'ai commencé à faire des films avec des longs plans séquences, donc c'est pas le premier de cette façon, mais dans ce film, effectivement, ça prend sens dans à la fois l'ambiance et l'atmosphère philosophique, psychologique, organique, viscérale des personnages et aussi le sens de la vision. Quindi poi hai iniziato a lavorare con questi piano sequenza, però in questo film ha anche senso per appunto mettere in risalto il carattere psicologico, organico dei personaggi, della situazione, dell'atmosfera. Je sais que les prolongations temporelles du cinéma provoquent le spectateur, le laisse soit il s'ennuie, il dort ou il part, soit il demande plus de concentration pour participer à l'œuvre. Il fatto di prolungare, di protrarre il tempo al cinema è comunque una provocazione sullo spettatore, quindi c'è per forza una reazione, quindi è anche questo l'intento. Et donc c'est pour cela que je l'ai poussé à l'extrême. L'idée de départ c'était faire un film de tension sans action. È stato estremizzato perché l'idea era di fare un film di tensione senza azione. Il me semblait que ces plans longs avec des cadrages fixes rajoutaient de l'angoisse et de la sensation de sa durée. Donc c'était le choix stylistique du coup du film. E questi piani lunghi appunto aveva la sensazione che aggiungevano angoscia, quindi era anche nella linea dell'idea del film, quindi andava bene. Io volevo ringraziare ovviamente Claudia e Cristof, però volevo ringraziare moltissimo stasera Ornella Vaiani perché è qui come volontaria, credo che abbia fatto un lavoro veramente eccezionale. Sostenitori meravigliosi e Amelia che guida la Francia per il suo cortometraggio bellissimo che vi consiglio di vedere domenica e quindi grazie a tutti e noi dobbiamo andare a fare la cultura al gatto. Non è una battuta. Anna anche che ci ha aiutato nelle traduzioni. Ah sì, Rosina, grazie, sì è vero, quelli della Sminut. Grazie mille. Grazie mille.